Bonjour. Bon, voilà, je me suis mise en place pour pouvoir faire le jeu du dé maléfique avec Fanny qui va m'aider un petit peu à jouer. Alors, ce jeu, on peut jouer tout seul, mais le mieux, c'est quand même de jouer à deux. Voilà, donc c'est un jeu qui se joue avec un seul dé et on peut le lancer cinq fois. Donc, on doit lancer le dé cinq fois chacun, chacun son tour. Mais ce dé est maléfique, ça veut dire qu'il a un pouvoir magique et lorsqu'il tombe sur le 1, eh bien, vous avez perdu. Vous ne pouvez plus lancer les dés. Donc, il ne faut pas tomber sur le 1. Déjà, première chose à retenir, il ne faut pas tomber sur le 1. Donc, on va lancer les dés, tout simplement, 5 fois, chacun son tour. Donc, je lance le premier. J'ai fait 2. Je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être un peu loin. Hop, 2. Donc, je prends mon feutre, je prends mon ardoise. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait, j'avais oublié qu'il fallait une ardoise. Je vais mettre ici Sandrine. Et là, je vais mettre Fanny. Donc, moi, j'ai 2 points. Alors, pour noter les points, soit j'écris bah, 2, ou bien je fais le dé. Quand on est un peu grand, on peut écrire 2. Et quand on a un petit peu de mal, et ben, on enlève le 2 et puis le dé et on écrit juste le chiffre 3. Allez, Fanny, c'est à toi. Je lance pour elle parce qu'elle a des grosses mains et elle y arrive. Des grosses pattes, pardon, et elle n'y arrive pas du tout. Ah! Fanny a perdu. Elle a fait 1. Donc, désolée Fanny, mais tu ne joues pas. Donc, moi, je continue. C'est pas une bonne partie, ça. J'ai fait 3. Donc, je vais écrire 3. Encore un mot, puisque Fanny a perdu. Ouais, j'ai fait 6. Et encore une fois, ça fait mon troisième tir. 2. Et encore une fois pour moi. 4. Alors, j'ai tiré 5 fois, voici tout ce que j'ai gagné. Et puis, bah, Fanny, bah, elle a rien du tout puisqu'elle a eu le 1 dès le début. Il va falloir que je sache combien de points j'ai. Et donc, il va falloir compter tout ça. Alors là, vous avez plusieurs solutions. Ou bien vous comptez sur vos doigts. Ça peut être facile quand on a 2 et 3. J'en mets 2, je mets 3 et je compte tous mes doigts. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5. Ça fait 5. D'accord? Après, là, j'en ai 6 et j'en rajoute 2. Ah, ça peut être facile. Si je mets 6 dans ma tête, dans ma boîte mémoire, 6, 7, 8. Ça va faire 8. Et puis, j'ai encore 4. Donc, il va falloir encore que j'en rajoute 4. À chaque fois, je vais rajouter des nombres. Et donc, maintenant, je vais essayer de compter tout ça. Donc, 5, je peux le mettre dans ma tête. 5. Sur mes doigts, je peux rajouter 8. Je sais que 8, c'est comme ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, et il me reste encore 4. 13, 14, 15, 16, 17. Ça me fait 17. Alors ça, c'est ce que j'ai envie de dire quand on sait très bien compter et qu'on n'est pas en difficulté. Maintenant, si jamais on a du mal, eh ben, il y a une chose très simple. Comme j'ai écrit les nombres ici, eh ben, je vais faire des collections. Alors, j'ai gagné 2, j'ai gagné 3, j'ai gagné 6, j'ai gagné encore 2 et j'ai gagné 4. Voilà. Ça, c'est tout ce que j'ai gagné. Et maintenant, je vais pouvoir compter. Et en plus, comme j'ai un feutre, je peux mettre des petits points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, donc j'ai fait 17. Ça tombe bien, c'est exactement ce que j'avais marqué. D'accord? Donc surtout, c'est que quand on a le 1, on n'a plus le droit de jouer. Peut-être que vous n'aurez pas 5 tirage de dés. Bon bah Fanny, je suis désolée, mais t'as perdu. Et j'ai gagné. Je peux en faire des parties autant de fois que je veux. Le but, c'est de s'entraîner. Voilà.